Salut tout le monde, c'est Zogotan, bienvenue dans ce nouvel épisode de Underground 2. Alors la dernière fois on s'était quitté dans la mine de PNJ. Mais c'est tranquille toi. Donc dans la mine de PNJ je disais. Et donc je vous avais dit que j'allais fouiller, explorer un petit peu tout ce bazar. Et j'ai mis la main sur un mob spawner, un squelette. Donc un objectif supplémentaire. De fait. Allez hop, paf. Hop, hop, hop. Donc le voilà. Quoi, j'ai entendu du bruit encore. Alors, je viendrai plus tard. Ça c'est pas top par contre. C'est pas grave, je prends tout quand même. Et je viendrai plus tard ici sûrement pour faire un piège un piège à XP. Donc l'idéal, enfin, piège à XP et pas que, parce que du coup ça me permettra d'avoir du squelette à l'infini. Et qui dit avoir du squelette à l'infini dit avoir je vais y arriver, des os pour faire de la poudre d'os. Donc ça j'en ai besoin si je veux pouvoir faire une petite machine automatique après. Ok, un creeper qui vient de se faire péter la tête. Donc si je veux pouvoir faire une petite machine automatique plus tard après pour tout ce qui est blé, etc. Et ah, c'est tombé, c'est pas grave. Et donc qu'est-ce que j'ai trouvé entre temps? Depuis le dernier épisode j'ai retrouvé quelques graines de citrouille, graines de pastèque, diamants et tout un reste de bazar. Oh fuck! Tiens vas-y, ouais, tapez-vous là. Alors je vais récupérer toutes ces pierres là. Parce que pour un challenge, enfin pour un défi, il m'en faut 200. Merde. Ah ouais, j'ai pas de place, c'est pas le bon plan. Alors il me faut de la place, 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 place. Allez, les épées, hop. Donc je reviendrai ici plus tard comme je disais pour faire le piège. Et là je vais récupérer tout ce qui est pierre moussue. Il m'en faut 200. Oh, il me casse les bonbons le squelette là. Laisse-moi tranquille. Il a un arc enchanté en plus. Comment Dieu. Allez, j'ai pas eu dans l'eau. Eh, ça continue à popper hein. Donc en tout cas voilà, voilà pour la découverte, hein. Au-delà de tout le reste j'ai envie de dire, hein, tout ce qui est ressources, etc. Donc j'étais bien content de mettre la main dessus quand même. Hein. Même si ça va être encore un petit peu compliqué si je veux y faire un piège, j'ai encore un peu de taf. Attends mais comment il pop? Comment ce bordel? Mais il pop. Pop, 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 mais tu sors d'où toi? Je sais pas d'où ils viennent alors. Ah ok, d'accord, alors attends. Toyo! Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, tac. On va les laisser se battre. On va éclairer un petit peu pour éviter que ça pop parce que là c'est un peu le bordel. Allez, laissez-moi tranquille là. Allez voilà, mettez-vous sur la gueule. Parce que normalement il pop pas d'ici, hein, donc c'est juste que c'est pas assez lumineux l'endroit. Hop là. Ok, bon il y en a peut-être en bas, j'en ai vu là-bas. Bon normalement ici ça doit pas repopper parce que j'ai quand même bien nettoyé le bazar. 31. Ça on n'est pas. C'est étonnant que ce soit un chiffre impair quand même. Tiens, il y en a une ici. Alors je vais essayer de toutes les récupérer. Au niveau du défi, il en faut 200 je crois. Si je dis pas de conneries, c'est 200. Donc il faut en trouver quand même des donjons.
Et donc écoutez, hein, voilà, hein, ce truc-là, voilà, on va le laisser au chaud ici. De toute façon, mon inventaire, il est full, c'est juste n'importe quoi. Et puis, ce que je vous propose de faire, alors moi, je viens de là-bas, donc... Taïo, voilà. C'est qu'on va se retrouver, on va se retrouver à la base. Et pour cet épisode-là, j'ai une idée en tête. What the fuck? Ok, Creeper. Bon, ils vont pas me laisser rentrer, donc je vais vite me barrer parce que j'ai des diams, j'ai pas mal d'autres choses. Donc laissez-moi tranquille, je rentre à ma maison. Bon, allez, rendez-vous à la base avec donc pour objectif sur cet épisode-là, j'aimerais quand même bah, me construire enfin une maison. Hein, c'est un des challenges de donné par le créateur de la map. Et il serait temps d'avoir une maison digne de ce nom. Et donc on se retrouve à la base. À tout de suite. Re tout le monde, nous revoilà au campement en compagnie de notre ami Bobo. Avec bah, deux trois petites modifications hein, depuis le petit donjon squelette, le petit mob spawner squelette. Et donc j'ai refait l'allée avec les arbres. Donc j'ai optimisé en fait, voilà, rien de compliqué, j'ai optimisé l'espace. Et puis avec des petits escaliers, j'ai fait quelque chose d'un peu plus sympa, un peu plus joli, parce que bon, voilà, c'était le bordel, voilà, c'était le bordel. Nos amis les bêtes sont là. Et puis oui, alors oui, alors je suis un peu perdu, hein, désolé, mais ça doit faire la 10e fois que je recommence à tourner. Cette saloperie d'épisode, hein, pour la simple et bonne raison que Minecraft a tenu absolument à mettre à jour mon bordel sans que je le veuille, et ça s'est fait pendant que je faisais mes tournages en tâche cachée derrière, sans que je fasse attention, un vrai bordel. Donc un peu perdu. Donc voilà, oui. Donc je disais, j'ai fait du coup la forme globale de la maison, donc ça donnera ça. Hein. Donc du point de vue architecture, rien d'exceptionnel. Pierre taillée et puis planche de bouleau, mais voilà, je suis pas un grand architecte, hein, donc on fait avec les moyens du bord. Où est-ce que... Obsidienne. Alors j'ai ramassé, je suis allé ramasser de l'obsidienne. J'ai un peu perdu là. Et voilà. Alors j'ai ramassé de l'obsidienne. Concernant l'argile, j'ai terminé l'objectif qui était d'avoir les 512 blocs. Donc les voilà. Et de la même manière, j'ai récupéré pas mal de neige. Alors par contre, il m'en manque encore. Alors, on va faire un truc. Bloc, ça doit être ça. On va faire un test parce que du coup, avec la nouvelle version, ça m'a tout bougé au niveau du son. C'est le bordel. Ouais. Ouais. Je fais des tests, on voit, parce que là c'est le bordel. C'est pas fort, c'est pas plus fort pour autant. Allez, on va pas se faire chier avec ça. Et donc, au programme du jour, donc j'ai identifié deux lacs de lave. Il y en a un plus par là-bas, un autre plus vers le bas là-bas. Bon, ils sont pas forcément à côté. Et donc, je m'étais dit que je partirais bien sur la création d'un générateur d'obsidienne. Bah, tout simplement afin de plus être embêté à devoir courir à droite à gauche pour aller chercher de la lave si j'en ai besoin, pour aller chercher de l'obsidienne, pardon, si j'en ai besoin dans un lac de lave. Honnêtement, j'ai pas envie de m'embêter avec ça, quoi. Et donc j'ai préparé, voilà, j'ai préparé du matériel. Et on va se faire un générateur d'obsidienne. Alors, c'est parti. Hop. Hop. Hop, on va se faire déjà un arc. Enfin, un arc 3 même. Voilà. Ensuite. Tac. 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 Parfait. Hop. Voilà, donc 3 distributeurs. Ensuite, il me faut 3 redstone pour le montage.
Et ensuite, il m'en faut 8 pour les repeaters, donc parfait. Tac. Bon, on va faire les repeaters. Roche, 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 où es-tu? Forcément. Donc on avait dit 4. Et 4. Allez. Voilà. 4 repeaters. Il me faut un bouton. Distributeur, j'ai. Torche redstone, j'ai. Les repeaters, j'ai. J'ai de la redstone. J'ai un bouton et il me faut les seaux de lave. Ok. J'avais tout mis de côté, donc tant mieux. Comme ça, on n'est pas embêté. Ok, alors c'est parti. On va s'y mettre. Donc, générateur d'obsidienne. Alors. Paf, paf, paf. Paf, donc 4. Hop, hop, hop. Ok, d'accord. J'ai été un peu trop gourmand. Ok, il va falloir que je place les distributeurs. On va placer l'eau. D'ailleurs, au passage, il va falloir que j'aille rechercher des planches aussi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh là là. Voilà. Planche. Voilà, j'ai un stack complet. Allez, hop, let's go. Hop. Tac. Ok. Alors, voilà. Donc, j'ai l'eau qui est posée. L'interrupteur, il sera là. Ensuite, l'interrupteur. Donc, je vais l'activer. Il va balancer le signal dans la redstone qui est ici. Ok. Je vais me faire hop. Les escaliers. Attends, si j'oublie la moitié en chemin. Ok. On va faire ça. Et ça. Ensuite, donc, les distributeurs. Et forcément, il y en a un qui s'est mis dans le mauvais sens. Ok, donc les trois distributeurs, donc là où il y aura les seaux de lave. Ensuite, il faut que je fasse le chemin de redstone. Donc 1, 2, 3. Jusqu'ici, voilà, comme ça la redstone. Passe par tous les distributeurs. Ok, très bien. Ensuite, alors, donc, le circuit, il arrive par ici, le courant. Donc, un inverseur. Deux repeaters. Du coup, les repeaters, ils sont écartés au max. Ok, très bien. Ensuite, one block. One torche. Ici, bloc torche.
Et merde. Ah bah bravo, je suis bien joué. Fallait que je tombe. Donc on recommence, j'ai dit un bloc ici s'il vous plaît. Et une torche là. Voilà. Ensuite, il me faut... Bah il me faut des blocs en fait, hein. Voilà. Avec repeater. Repeater. Oh, raté. Tac. Redstone. Ah, merci, au revoir les glaces. Hop là. Hop, hop, hop. Et le montage, il devrait être pas mal. Alors on va faire le test. Et j'ai les deux clics. Ok, nickel. Bon bah instant de vérité, c'est parti. On va installer les seaux de lave et puis on va voir si ça marche. Donc 1, 2. Et 3. Attention, roulement de tambour. Youhou! Yes! Ok. Et du coup, bah voilà. J'ai mon générateur d'obsidienne. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel et rien de compliqué sur le générateur. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ça vous demandera en fait à chaque fois de remettre de la redstone entre l'interrupteur et la torche inverseur qui est de l'autre côté en fait. Allez. Voilà, donc comme ça, j'ai plus besoin de m'embêter à aller sur des lacs de lave là pour éventuellement récupérer de l'obsi. J'ai ce qu'il faut et puis du coup je pense qu'au prochain épisode on va pouvoir se faire un petit portail. Alors maintenant il va falloir que je cache tout ça quand même, hein. Donc de toute façon je vais y travailler. De la même manière il va falloir que je travaille aussi sur la petite maison et que je finisse tout ça. Donc écoutez ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire après ce petit bloc construction vu ensemble. Je vais faire une petite ellipse. Où je vais finir au moins tout le tour de la maison, donc c'est-à-dire fenêtre, fenêtre plus toit. Donc voilà, j'ai fait fondre du sable. Sauf que bon, après me voir pendant je sais pas combien de temps faire ça, ça sera peut-être pas super passionnant, n'est-ce pas? Voilà, toujours est-il que on se retrouve après dans la super petite maison. À tout de suite. Re tout le monde, nous revoilà à la maison avec un peu plus de construction d'effectuer et donc bah du coup un objectif de plus hein, qui était construire sa maison. Donc voilà, c'est fait. Hein. Donc le toit, les vitres, une petite entrée histoire que ce soit un minimum sympa même si je suis pas très très fort en construction et architecture dans Minecraft. Mais voilà, je suis content de moi, je suis content de ma petite maison, je la trouve sympa. Voilà, donc le toit est posé. J'ai masqué un petit peu tout ça, donc la construction donc le générateur d'obsidienne. Donc voilà, c'est un peu plus sympa. Et donc, objectif cette fois-ci, je voudrais construire un portail du Nether. Histoire qu'au prochain épisode, on puisse aller se balader un petit peu. J'ai préparé déjà deux, trois petites choses. Tiens, la viande, hop. À cuire. J'ai déjà préparé 2-3 petites choses, un peu de redstone, etc. Il va me falloir du... Yes, il va me falloir du bois. On va aller chercher ça tout de suite. Et donc voilà, le but c'est de construire un portail du Nether avec interrupteur on-off. 3 planches. J'ai pas grand chose là quand même. C'est pas... On va faire tout ça d'un coup. Paf! 43, c'est pas trop mal. Et donc voilà, ouais, donc l'objectif c'est un petit portail avec un on-off. Surtout que, bon, la construction du portail fait partie des 90 objectifs à effectuer, hein, les petits challenges. Donc voilà, tout simplement. 1, 2, 3, d'accord, donc ça va venir masquer ça. On va casser ça. Pour le reboucher proprement. Tac. Ok. Et ça, il faut que je le casse aussi, malheureusement.
Voilà, ça sera un peu plus joli, sinon ça va pas être top top, hein. Ok, alors obsidienne, yes. Que je réfléchisse et que je ne fasse pas de conneries. Donc là j'ai 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Alors hop, 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 hop. La bouse bouse. Voilà, ok. Donc la structure est faite. J'aime pas trop, c'est un peu sombre là quand même. Donc la structure est faite. Donc le portail sera ici. Ensuite, hop, l'interrupteur. Voilà, donc l'interrupteur il sera là. Ensuite, piston collant, donc j'en ai fait deux. Donc le bloc sera là, donc faut qu'il soit ici. Voilà. Que je dise pas de conneries. Et ça c'est là. Ok. On va récupérer ça. Voilà, comme ça c'est un poil plus joli. Ensuite, donc distributeur, il en faut deux. Voilà. Donc 1 et 2. Ensuite, bon alors peu importe les blocs que j'utilise à l'intérieur, ça sera caché de toute façon. Est-ce que ça sera caché? 1, 2, 3, 4. Ouais, ça sera caché. Ça sera caché parce que sinon c'est pas gérable. Alors, hop, ça va pas être super joli. Piston collant, tac. Ok, good. Ensuite, on va faire donc bloc, bloc. Donc ça c'est parfait. Est-ce que j'ai de la redstone? Non, merde. Je pensais avoir tout sur moi et il me manque quelques trucs. Ça va pas le faire. Ok, j'en ai en rab. Bon, alors j'aurais pu faire un petit portail sans plus, hein, mais du coup, voilà, c'est quand même plus sympa d'avoir un petit truc avec un petit schéma on-off. Ça sera un peu plus cool. Ensuite, ici, il faut qu'il y ait un bloc. Ici, il me faut un repeater. J'en ai fait. Yop. Ok, nickel. Ensuite, il m'en faut un ici. De la redstone ici. Donc là, je l'ai ici. Très bien. Du coup, il me faut un bloc là. Si je dis pas de bêtises. Et ça me paraît pas mal, hein. Alors. Ok, non, ça me paraît pas mal. Alors, il va me falloir un briquet et un seau d'eau. Alors, le seau d'eau, je le laisse, ça c'est nickel. Oh là. Donc, pour le briquet, voilà. Ok, on y retourne. Hop, 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 hop. Donc ici, briquet. Ici, le seau d'eau qui va permettre d'éteindre le système. Donc, ok, donc là il est initialisé. C'est parti. Donc, on. Off. Wouhou! Ok, nickel. Bon, bah, c'est parfait ça. Ensuite, on va essayer de coller. Alors, on va cacher tout ça et on va essayer de coller un peu à la déco quand même. Donc ici on va faire planche, 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 planche. Comment on va faire ça? Ce serait bien de faire un truc assez joli.
Je sais ce qu'on va faire. On va faire ça avec des escaliers. Bon, faudrait que je mette une table de craft chez moi parce que là, ici, du coup. Ok, alors roche. Alors, hop, hop, ça m'en fait 4. Je sais pas combien d'escaliers va me falloir. Oula, plus que ça. Plus que ça, parce que là, je vais pas aller loin. Est-ce que ça c'est suffisant ou pas? Oh, ça me paraît pas mal quand même. 8. Ça me paraît pas mal. On va aller voir ce que ça va donner. Hop, allez hop. Taillot. Non, je peux pas aller de l'autre côté. C'est pas grave. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Hop. Ouais. Merde. Mettre ça ici, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bon, au moins ça s'intègre bien à l'environnement, hein. C'est quand même plus sympa comme ça. Clac, clac, et du coup, le dessus, on va faire ça avec escalier. Ok, allez hop, go et go, et paf, 8. Bon, 8 ça devrait être suffisant, et puis du coup mon truc il sera caché. Il sera masqué, ça sera un peu plus joli quand même. Casse-toi la figure, je te dirai rien. Oh, ça va pas durer longtemps cette histoire. Hein. Alors ça donnerait ça. Est-ce que je suis convaincu? Ouais, c'est pas trop mal. Ouais, si, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas trop trop mal. On va boucher l'intérieur. Alors à la limite l'intérieur, peu importe. Ça sera pour la façade. Je vais faire ça avec des pierres. Ouais, on va pas s'emmerder. Alors, ici j'ai mon piston. Donc, on va laisser ça de dispo. Ouais, ça me fait chier quand même. Parce que c'est vrai que. Allez, faire ça avec des planches. On va faire ça bien. Ah, par contre, ici j'ai pas envie de m'emmerder. Ici, donc là je peux faire ça. Tac, tac. Ça c'est ok. Ça aussi. Bon, je crois que ça va être pas trop mal comme ça. On va essayer. Hop, hop. Hop, hop. Oh si, c'est pas mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop moche. Je suis content de mon truc. Et du coup. Ouais, nickel. Nickel, on va laisser ça comme ça. Bon voilà. En tout cas, voilà, un objectif de plus d'atteint qui était de construire un portail du Nether. Parfait. Écoutez, sur ce qu'on va faire. Je vais aller ranger tout mon bazar en off. Ce qu'on va faire, on va se quitter là-dessus. Avec donc des objectifs en plus de réaliser. Donc c'est pas trop trop mal. On va fermer. Hop. Voilà. Et donc du coup, bah, rendez-vous au prochain épisode pour aller faire un petit tour dans le Nether. On va aller visiter un petit peu tout ça. Il y a quand même pas mal de choses que j'aimerais bien récupérer là-bas. Hein, donc notamment de la luminite. Il y a pas mal d'objectifs à réaliser. Il y a 2-3 trucs que j'aimerais bien pouvoir récupérer avant d'attaquer du coup la construction. Parce qu'il va être temps d'une table d'enchantement. Je voudrais faire un truc, une table d'enchantement modulable.
Donc voilà, donc j'ai besoin de ressources de là-bas. Sur ce, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes actualités. Et je vous dis au prochain épisode dans le Nether. Salut tout le monde, ciao ciao!